Le 5, attention, on va démarrer le 5 gunfight. C'est parti, c'est la jument d'expérience. Le numéro 2 qui s'élance en tête, Godzilla qui vient de terminer 3ème. Vous voyez, ça va très très vite. Allez Patrick, appuie sur le champignon. Il faut absolument rattraper ces chevaux. On va venir à côté des chevaux. Alors ça, attention, ça va secouer un petit peu les enfants. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper les chevaux dans la descente avec cette Ferrari de fonction que nous avons ici. Et en dernière position, nous avons le numéro 7, Giboulet de Mars, on va rattraper les chevaux. En avant-dernière position, nous avons le numéro 6, le Grand Brandon. Nous sommes très très près de l'action, mesdames, messieurs. Le numéro 4, Goldling, est en antépénultième position, tandis qu'en tête est parti en tête. C'est Adrien Foissier avec Génie de la Cour, un cheval qui est 5ème en débutant. Deuxième position pour le numéro 2, Godzilla, Casac Orange. Le 3 à la corde, c'est Girlish de Grugy. À l'extérieur, c'est le numéro 4. C'est le 5, Gunfight. Tandis qu'Alexandre Roussel a eu un petit peu de mal à tourner, comme nous d'ailleurs aussi avec Goldlink. Alors là, on a perdu un petit peu de terrain dans le tournant, parce que sinon, on aurait passé, on aurait fini dans le décor. Mais ne vous inquiétez pas, dans la ligne droite, la 6ème vitesse, l'overdrive de la voiture des commissaires va rattraper les chevaux. Alors là, attention, bing, 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 badaboum. Le tournant, sortie de tournant, on va rattraper les chevaux. Pendant ce temps-là, les positions n'ont pas changé en tête. N'ont pas changé en tête, en tout cas. Allez, on va rattraper en passant la 8ème vitesse. Nous avons toujours en tête, mais qui mène assez benoîtement, Génie de la Cour monté par Adrien Foissier. À son côté, nous avons Godzilla, le numéro 2 à la corde, toujours très bien placé, Girlish de Grugy avec Matteo Viel. Là, on est vraiment au cœur de l'action. C'est incroyable, on est à 3 mètres des chevaux en pleine course. Le numéro 4, Goldling, casaque verte. La casaque de Jean Chalbrien, c'est en 4ème position à son extérieur. Le numéro 5, Cédric Sago, ils sont dans l'ordre des numéros du programme, ils sont sympas avec moi les chevaux. D'ailleurs le numéro 6 est 6ème, Grand Bornand, et le 7, Giboulet de Mars, qu'il est où? Bah il est 7ème évidemment. Toujours le numéro 1 en tête, monté par Adrien Frassier, son entraîneur. Le numéro 2, Godzilla, les positions n'ont pas changé pour l'instant. Toujours très bon parcours pour le numéro 3, Girlish de Grugy, monté par Matteo Viel. C'est assez pratique de commenter les courses à 2 mètres des chevaux, parce qu'au moins on les voit. Le numéro 1 toujours en tête, il vient de regarder entre ses jambes notre ami Adrien Frassier. Est-ce qu'il va tenter d'accélérer le premier? Il a un grand cheval, il va falloir qu'il accélère de premier, mais bon, ne vous inquiétez pas parce que la ligne droite de Sonnen est très très longue. Et c'est parti maintenant pour la ligne droite. Et c'est toujours Adrien Foissier qui a accéléré le premier. Va-t-il aller au bout? On va les rattraper. Allez, Patrick, il faut absolument qu'on passe le poteau à côté des chevaux. Ça saute dans tous les sens, mais c'est pas grave. Et nous avons Génie de la Cour qui est en tête. Mais Jean-Charles Brias est à l'extérieur avec le numéro, avec Alexandre Roussel, Goldling. Alexandre Roussel, Goldling qui va s'imposer sur la casaque de Jean-Charles Brias, le photographe des stars. Alex Roussel, mais à l'extérieur, nous avons le Grand Bornand, l'or Beggio Novo qui vient sprinter comme un avion à réaction et qui s'impose le numéro 6. Et voilà, très intéressante course. L'arrivée 6, 4 et le 3ème, c'est le 1 ou le 5, je ne sais plus. Le 6, donc honneur aux débutants dans cette épreuve avec le 6, Grand Bornand, l'or Poggio Novo qui s'est imposé, Montmartre et Ubriska.